Le décor est planté, la saison des mets consacrée aux festivités de fin d'année continue. En ce deuxième épisode, le dindon aux légumes. Bonjour et bienvenue en cuisine avec Zi. La préparation de ce dindon se fera en deux jours. Le premier jour sera de mariner le dindon et le jour prochain, la suite, donc la cuisson de dindon au four. La première étape est de préparer nos ingrédients, nos épices, enfin tout ce dont nous avons besoin. J'ai besoin d'une noix de muscade, de l'épice de poulet, de l'épice de lime, du paprika, de poivre blanc, des stocks de poulet. J'ai besoin du gingembre, de l'ail, des romarins, des céleri, du beurre, de sel, du poivre blanc. On va rapidement nettoyer le dinde. Pour mes nouveaux abonnés et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zinia. Je partage des vidéos de recettes sur ma chaîne. Si ce contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Aimez, partagez, surtout activez la cloche des notifications pour ne rien rater à nos prochaines publications. Après avoir bien nettoyé mon dindon à l'eau tiède au citron, je vais rapidement préparer mes ingrédients. Je vais piler de l'ail, du romarin, de céleri et de gingembre comme d'habitude, que je vais mélanger au jus de citron et au beurre que je vais appliquer sur la peau du dindon et sous la peau. Voilà, comme je l'avais expliqué précédemment, je vais appliquer le mélange sur la peau et sous la peau. Ensuite, on va ajouter des épices en poudre qui est du noix de muscade, du paprika, de l'épice du poulet, des stocks de poulet. Voilà, on va suivre ça en image. En plus d'être un repas délicieux et facile à préparer, les dindons est une viande blanche avec beaucoup de protéines de bonne qualité qui jouent un rôle essentiel dans le renouvellement des cellules musculaires, des cheveux, des ongles et de la peau.
Voilà, le dindon a une très grande viande, n'est pas très facile à épicer. C'est comme ça que j'ai décidé de l'inciser partout pour me faciliter la pénétration de mes ingrédients. Voilà les résultats finaux de mon dindon. Je vais les couvrir, les mettre au frigo. Rendez-vous à demain. Bye. Me revoilà le lendemain matin. Aujourd'hui, bonjour. Préparation de mes légumes pour accompagner le dinde. Voilà. Qu'est-ce que nous avons besoin? Je pense que j'ai besoin de poivrons rouges et verts. J'ai besoin de carottes. J'ai besoin d'oranges, des pommes et de quelques pommes de terre. Voilà ce qui va accompagner notre dindon. Let's go. Là, je suis en train de préparer une petite vinaigrette avec des épices en poudre que je vais essayer d'inciser à l'intérieur de mon dindon. Voilà, je vais inciser les épices que j'ai mélangées à l'intérieur. Comme je l'ai dit auparavant, ce truc est très grand, donc j'avais besoin que les épices soient vraiment à l'intérieur. Après, on va mettre les légumes dedans et puis on va les coudre, on va les fermer. Je n'ai pas pu vraiment les coudre, mais je l'ai quand même fermé. Donc, on va voir la suite. Bon, à savoir, la dinde femelle du dindon était le repas traditionnel de Noël au XVIe siècle en Europe. La coutume dit qu'elle était censée placer ceux qui la dégustaient sous la protection du soleil. Vous y croyez? Je sais pas. J'aimerais savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, je ne suis pas superstitieuse. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans vos commentaires. Enfin, je vais les mettre au four pendant 2h30 à 180 degrés. Voilà les résultats. Un repas facile à offrir à sa famille en cette période de festivités de fin d'année. Ce repas peut s'accompagner de riz, de bananes plantains, de la chikwangue, du foufou, de tout ce que vous avez. Merci de m'avoir suivi et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye.